Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais eu envie d'utiliser ce papier qui vient de chez Action, Creative Paper Collection. J'ai acheté ça parce que, bah, franchement, j'ai adoré les papiers. Sur le moment, je les aime toujours, hein, les papiers, ils sont super beaux. Mais ça a été un coup de cœur, voilà quoi. Ils sont super fins, donc je sais pas trop quoi en faire. Et pourtant, il y a des choses jolies dedans. C'est vraiment... Et ça, j'adore. Donc, du coup, on va faire une carte. Alors, j'ai préparé ma carte. Donc, je prends une base de cartes de chez Action, comme ceci. Alors là, celles-ci, elles ont été complètement loupées. L'intérieur, je le trouve très moche. Mais bon, il faut les utiliser quand même. Donc, voilà. Donc, une base de cartes craft de chez Action. Ça va être encore un 100% Action. Je vais coller ce papier qui vient de ce bloc, hein, que j'ai déjà prédécoupé. Je vais venir le coller sur ma base de carte, comme ça. Et j'ai recoupé un morceau de craft qui vient aussi d'un bloc de chez Action, les trois couleurs. Maintenant, tout le monde connaît. Hein, et que je viendrai coller par-dessus, comme ça. Voilà. Donc, ça, on met de côté pour l'instant. Sur ce papier, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire... J'allais dire comme du serviettage. C'est-à-dire que je vais prendre des papiers du bloc que je vais déchirer, pas découper, déchirer, que je vais venir coller sur mon papier ici. Et après, je viendrai et j'en collerai de ça aussi, parce que je les trouve super beaux. Donc on va se faire un fond comme ça de papier déchiré. Donc déjà, je vais prendre cette feuille, parce que je l'aime bien. On va prendre celle-ci aussi parce que j'aime bien contraster un peu. Et, de toute façon, tous les papiers de ce bloc sont vont bien ensemble. Donc, quoique celle-ci ou celle-ci, on va laisser comme ça. On va prendre un peu des oiseaux. Voilà, et je pense que on a fait le tour. Ouais, après, c'est toujours les mêmes feuilles. Vous voyez, on a les feuilles en plusieurs exemplaires. Donc, oh, celle-ci, elle est belle. J'ai pas trop envie. Non, déjà, ces trois-là, c'est très bien. Alors, pour ça, j'ai pris... alors, ça, c'est un ancien bidon de chez Action. Hein, vous reconnaissez. Mais dedans, c'est de la colle Patex que j'achète chez Action. Mais elle n'est pas exclusivement chez Action, la colle Patex, la colle bois. Vous la trouvez dans tous les magasins de bricolage. Donc, de la colle... Un petit pinceau pour bien étaler la colle sur mon papier et on y va. Donc ben là, c'est pas compliqué, je vais arracher, coller. Alors, même si ça dépasse de ma base, là on s'en fiche, on découpera après. Voilà, donc hop, ben voilà. Allez, donc ah, ça y est, je recommence avec mes donc. Et alors, ma colle veut pas sortir, c'est quoi ce bazar? Ah, ça y est. Allez. Voilà. On va essayer de le mettre bien comme ça. Bon, après, on peut très bien... les superposer, en mettre que des petits morceaux, enfin, on fait ce qu'on a envie. Là, c'est... On patouille comme les enfants. Voilà. On va prendre de celui-ci. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, là, nous sommes le 11 juin, donc on est au début de la canicule, on va dire ça comme ça. Ils nous annoncent du très beau temps pour ce week-end, mais pour la semaine prochaine, canicule. Alors, vous aurez cette vidéo mardi, je crois, ouais, mardi, il me semble. Donc, on n'aura pas encore, logiquement, à ce qu'ils disent, pas attaquer encore les grosses chaleurs, on verra bien. Mais je crains un peu toute
ces grosses chaleurs. J'espère que dans un sens il se trompe. Ça m'arrangerait bien. Je sais pas si vous aimez les grosses chaleurs, mais moi non, pas du tout. Bon, après, je vis dans une région où il fait chaud aussi. Je suis dans le sud-ouest, donc. Mais bon, quand même. Ça me plaît pas bien. Ah, c'est pas grave, je remettrai un morceau par-dessus. Ouais, ce qui me plaît pas, c'est trop droit là. Hop. On va le mettre là comme ça, celui-là. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Là, c'est vraiment l'envie du moment. Bon, moi je fais ça avec ce papier parce que je l'aime bien et que il est pas très épais, mais après moi j'étais en train de réfléchir, c'est vrai que faut pas qu'il soit trop épais si vous avez du papier comme ça. Mais bon, on va prendre un peu de feuillage là. Prendre ce côté-là du papier. Voilà. Voilà, vous devez entendre la tondeuse, et oui, c'est de saison maintenant, ça y est. Les tondeuses sont au travail maintenant. On va remettre un peu de... Hop, voilà. Vous voyez, on fait vraiment ce qu'on a envie. Ensuite, on va remettre un petit peu de verre en bas. Comme ceci. On peut laisser aussi un peu de craft. Hein. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Vous voyez, je calcule rien, hein, c'est de la détente. Oui, parce que moi, quand des choses comme ça, ça c'est top. On n'a pas à réfléchir, on fait vraiment comme on le sent, ce qui nous plaît, ce que voilà. Voilà. Ah oui, j'ai dit que je voulais mettre...
Ah, celui-là, c'est sûr, je le mets. Hop. La vie est belle, ça c'est sûr. Ensuite, on va mettre... Ah ben, on peut mettre celui-ci. Là, comme ça. Celui-ci. Avec les petits oiseaux. Ouais, c'est sympa ça. Ouais, allez. Je pense que je mettrai cela. Je verrai après. Je vais finir de coller quelque chose là. On va reprendre un morceau de verre. Comme ça ici. Voilà. Voilà mon chiffon. Alors là, mon papier commence à gondoler avec la colle. On va remettre un petit morceau de comme ça. Là. Tout comme ça. Ouais. Allez. Peut-être assez de colle. Non, fallait tenter. Je vais le mettre là du coup. Voilà. Hop. Voilà, donc vous voyez. J'ai fait mon petit collage. Bon, là, je vous l'accorde, ça ressemble peut-être à rien, mais on va améliorer tout ça. Voilà. Donc, je mets mon pinceau à tremper. Je vais retirer tout ça. Hop. Allez. On essuie la. On fait un petit peu de ménage hein, parce que là du coup ouais, ça c'est top les plaques en verre comme ça parce qu'on peut travailler directement dessus. Moi j'adore. Bon après j'ai vu des scrapeuses dire vous inquiétez pas, ça risque rien, on peut couper dessus, no problemo, pas de traces, rien du tout. Bon bah alors moi je dois être vraiment une grosse brute parce que bah, j'ai des traces hein. J'ai dû couper trop fort, je sais pas. Ouais, grosse brute. J'ai à des endroits, bah, le cutter, il a entaillé la plaque. Bon, ça l'a griffé, hein, ça n'a pas fait des grosses traînées, mais bon, quand même. Donc, allez. Donc, maintenant que le ménage est terminé. Oui, il me manque un peu de colle ici. Donc, je vais juste en rajouter comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, on va venir couper ce qui dépasse derrière. Voilà. Donc bon, maintenant une fois coupé, notre petite carte c'est déjà mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc vous voyez. Hop, après, on va venir la poser là comme ça.
comme ceci. Voilà. On va avoir une jolie carte. Ouais. Donc, on va venir. Il faut que j'arrête avec les hop. Je m'entends le dire à chaque fois. Hein. Mais j'y arrive pas. Je sais pas, c'est instinctif, on va dire. Voilà. On coupe les petits picots. Oui, parce que moi j'aime pas les petits picots. Je trouve que ça fait vraiment pas joli. Voilà. Alors, je sais pas si vous l'aviez acheté ce bloc. Si vous l'avez pris, dites-moi ce que vous en avez fait. Si vous faites du journaling ou autre. Si vous faites un bijou. Ah, j'hésite. On va peut-être prendre des couleurs un peu plus marquées. Bof. Non. Je trouve que ça ressort pas assez. Comment on pourrait faire? Je sais. Alors là, de toute façon, ces trois-là, je vais les coller comme ça. Voilà. Là, je vais les coller sur mon papier et je viendrai les découper en laissant une bordure tout autour. Alors, allez, on va faire ça. Hop. Voilà. On coupe les petits picots. Voilà, donc on va venir les coller comme ça, comme ceci. Je vais les coller comme ça et tout autour, je laisserai une petite marque. Enfin, une petite. Allez. Parce que ça, c'est le reste de mon papier avec lequel j'ai fait le matage. Là. Par contre, non, je vais changer. Je vais prendre celui-ci plutôt. Bien comme ça. Donc, la colle. Donc là, faut bien les coller côte à côte. Comme ceci. Bon, je vais mettre... Hop. Voilà. Allez. On va couper ça. Alors. Comme ça. Donc, je vais essayer de laisser assez de découpe tout autour. Ouais, c'est pas mon fort, hein, la découpe comme ça. Oh oui. Bon, c'est pas grave. Ça fera un style, on va dire.
Là, j'ai loupé un picot. Tant pis, trop tard maintenant. Voilà, bon, j'ai fait au mieux. Hein. Et on va venir le coller dessus comme ça. Avec la vie est belle, on a le petit sentiment, c'est bon. Alors, je me fais de la place. Je vais mettre tout ça à la poubelle. Voilà. Alors, je vais commencer par coller ça. Pour coller ça, je vais prendre là. Voilà, ma souris de colle qui vient de chez Action. Voilà. Allez. On colle ça. Voilà. Donc, mon matage est collé. Maintenant, on va coller ceci. Je remets un peu droit. Alors, toujours avec ma souris. Mais là, je vais en mettre un peu plus. Pour que ça soit bien collé de partout. Voilà, donc voilà, là on est bon. Alors, vous voyez, là sur ma carte, j'ai des petits morceaux de papier kerbique. Et ben, je vais les laisser comme ça parce que je trouve que ça fait joli. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez les les recoller, hein, c'est pas un souci, hein, mais moi j'aime bien. Bon, bah du coup, j'avais fait mon petit oiseau là, ça va être caché. Tant pis. Ouais, parce que ça, j'ai bien envie de le mettre là. On va le mettre en 3D. Ouais, on va le mettre en 3D. Donc, comme je vous ai dit, 100% Action. Hop. Que je vise bien. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà, je mets mon double face 3D sur le papier sulfurisé. Voilà, comme ça, c'est coupé nickel. Je n'en mets pas plein mes ciseaux. On va mettre là. Là. On va faire ça. Et des petits morceaux là. Voilà. Allez. On retire les protections. Alors,
plus je fais ça avec mes ongles alors que j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai la pince à épiler et tout, hein, mais l'habitude hein, de faire ça avec mes ongles. Bon allez, en plus regardez comme elle est toute belle, jolie comme un cœur, c'est ça. Voilà. Allez, la vie est belle. On va la mettre là. Hop. Voilà. Et voilà notre petite carte. Bon, elle est toute mignonne. Bon, elle est très simple. Après, vous pouvez y mettre des brillants si vous avez envie. Vous pouvez, on pourrait même ajouter de la dentelle. Parce que ça fait un peu... Elle fait vintage, donc on pourrait mettre un morceau de dentelle ou autre. Bon, moi, je l'aime bien comme ça. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera surtout des idées. Parce que, bon, parfois, on a du papier, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, bah, voilà, j'avais envie de faire ça. Et bien, sur ce, je vous souhaite de passer d'agréables moments. Bon, désolé pour le bruit de la tondeuse, mais là, c'est vraiment indispensable. Couper l'herbe au plus ras parce qu'on a des serpents et donc bah, plus vite ils s'éloigneront de la maison et mieux ce sera. Voilà. Bon bah allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.